Alors, je me retrouve avec mes deux derniers interviewés et c'est Benoît, à ma droite. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Et bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Benoît? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis journaliste tennis. Je m'appelle Benoît Mélin. Et voilà, j'ai travaillé partout à la télévision et maintenant sur les réseaux sociaux avec Julien Varlet, que j'appelle Obésix. Alors Obésix, justement, Julien Varlet, qui est ambassadeur aussi de la troisième édition des Tennis Event Master. Un petit peu plus, Obélix? Moi, je suis consultant pour le groupe Canal+, depuis maintenant pas mal d'années, depuis 13 ans. Et puis, je commente un maximum sur Canal+, International, Infosport, C8. Et puis, voilà, je fais aussi un petit peu d'événementiel et gestion de sportifs. 13 ans, ça fait 13 ans que tu fais Canal+, toi, c'est énorme, énorme. C'est énorme, j'ai deux journalistes avec moi. Mais alors, comment vais-je m'en sortir dans cette interview? Ça, je me demande bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ambassadeur des Tennis Event Master? On transpire. On transpire un petit peu, mais hier on a fait. C'était sympa parce que j'ai joué avec Monique Giffard, qui a 88 ans, qui est vice-championne du monde. Ensuite, j'ai joué avec la petite Julie, qui avait 11 ans, qui était 15-3. On a fait une petite exhibe avec Pauline Courcou, qui est l'ambassadrice chez les filles. On a fait aussi un double avec les tennis en fauteuil. Donc, non, c'était plutôt sympa. Et le blind tennis aussi. Tu as fait le blind tennis. Le blind tennis aussi, effectivement. Et puis aujourd'hui, on a plus joué un peu plus sérieusement, simple en double. Et on vient de gagner le double. Donc, voilà, la mission est remplie. D'ailleurs, Monique et Julie sont sur le terrain en ce moment en train de faire un match. À votre avis, pronostic, à ton avis? Monique. Monique qui gagne? Oh, elle a la volonté, Monique. Ouais. Puis elle prépare les championnats du monde, donc elle est dedans. Et Benoît, quelque chose d'autre à rajouter peut-être? Non, j'ai pas fait le blind tennis. Ça, j'aurais bien voulu essayer ce truc-là parce que c'est un truc, c'est aberrant. Quoi. Aberrant de s'imaginer que c'est possible de ressentir le son simplement de la balle pour arriver à taper dedans. Il a essayé, Julien, et ouais. Il paraît que c'est dingue. Quoi. Ouais, ce qui m'a impressionné hier en l'essayant, c'est que ça puise une énergie. Et je n'aurais pas imaginé. J'ai joué 10 minutes, un quart d'heure et j'étais mentalement épuisé. Donc je trouve que vraiment l'idée est vraiment bonne. Mais effectivement, c'est compliqué, très compliqué. En plus, le problème du tennis, c'est que déjà de se situer par rapport à la balle. Et en plus, il y a la raquette. Donc ça rajoute quand même une complication supplémentaire. T'as réussi à toucher la balle? Non. Non mais ça m'étonne pas, c'est complètement dingue. Non mais c'est vrai, c'est dingue, on se rend pas compte. Alors justement, Benoît, on va te réserver une petite surprise. Tu vas pouvoir aller faire un peu de blind tennis. Ah ouais, pour ceux qui ne connaissent pas le blind tennis, eh bien, c'est le tennis pour les gens qui sont en cécité ou en mobilité réduite, en tout cas plus en cécité. Et c'est avec Joël Carton qui est avec nous depuis 2 ans maintenant. Oh bah oui, mais il porte ça depuis l'éternité, depuis tout le temps. Le blind tennis, c'est Joël Carton. De toute façon, il n'y a pas d'autre. Et il le porte bien d'ailleurs. Ah, oui, très bien, il est très bien, il est très bien. En tout cas, merci messieurs d'être avec nous, c'était un plaisir. On va se retrouver autour du barbecue, bien sûr. Yes, yes.